Alors, je m'appelle Debia, j'ai 38 ans, je suis chef de rang. J'ai connu Brigade par mon mari qui m'en avait parlé. Quand j'ai lâché mon dernier contrat, je me suis lancée dans l'inscription. Pour moi, les avantages de Brigade, c'est qu'on a une liberté. On aménage notre planning à notre façon, à nous, parce qu'on est libre d'accepter ou de refuser des missions. Après, il y a le côté financier qui est pas mal aussi, parce qu'on est mieux payé qu'une personne en CDI ou qu'une personne en extra. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aller partout. On peut être très bien le lundi sur une péniche, le mardi dans une brasserie, le dimanche dans un château pour un mariage, dans des endroits qu'on n'aurait certainement jamais vus sans Brigade. Cette crise sanitaire, elle ne m'a pas du tout donné envie de changer de métier parce que je ne me vois pas faire autre chose en fait. La restauration, pour moi, c'est une passion. Être en contact avec des gens tous les jours, faire passer des bons moments aux gens. Bah, moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est d'aller courir en terrasse avec un plateau, de voir des gens qui sont heureux de manger, de boire, de faire la fête. Les conseils que je pourrais donner aux futurs brigadeurs, c'est de toujours se donner les moyens de réussir sa mission, être ponctuel, s'adapter très facilement, très rapidement plutôt, à l'établissement où ils vont et de toujours donner le maximum de soi et de ne pas baisser les bras en fait, de jamais baisser les bras. Magique. Ben, ils sont toujours là pour nous en fait. Ils ne nous ont pas laissé tomber pendant la crise. On a besoin de quelque chose, ils nous répondent, ils répondent à nos inquiétudes et ils se cassent pas mal la tête pour qu'on ait du travail tout le temps. Donc, merci à eux, vraiment. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, vous voyez, quand j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux parce que on aurait fait quoi sans Brigade ?